find you on my own. Hey, I know I won't see your face again. Fiora la sublime bretteuse. Donc on va commencer par présenter son passif qui s'appelle Dueliste. Donc Fiora régénère ses PV en 6 secondes à chaque fois qu'elle inflige des dégâts. Si elle touche des champions, l'effet peut s'accumuler jusqu'à 4 fois. Donc un très bon sustain grâce à son passif. Ensuite nous avons Fante qui s'appelle... Fante, drôle et bizarre. Donc Fiora se jette en avant pour attaquer sa cible infligeant des dégâts physiques. Fiora peut réaliser la feinte une seconde fois dans les secondes suivantes et ce sans dépenser de mana. Donc un double dash plutôt sympa. Après nous avons en deuxième sort, nous avons Riposte. Les dégâts d'attaque de Fiora sont augmentés. Quand la compétence est activée, Fiora part la prochaine attaque de base contre elle et renvoie les dégâts magiques à l'ennemi qui l'attaque. Fonctionne contre les champions, les monstres et les sbires de grande taille. Donc c'est plutôt pas mal, une sorte de, on va dire de banshee qui s'activerait comme ça. Ensuite nous avons Balestra. Fiora augmente temporairement sa vitesse d'attaque. Chaque attaque de base ou fente qu'elle utilise pendant cette durée augmente sa vitesse de déplacement. Tuer un champion met fin au délai de récupération de Balestra. Donc un sort pas mal du tout pour faire un petit coup de burst. Et enfin nous avons son ultimate qui s'appelle Valse des Lames. Fiora traverse rapidement le champ de bataille et inflige des dégâts physiques aux champions ennemis. Les coups successifs sur une même cible infligent moins de dégâts. Voilà pour la présentation de notre Fiora. Nous allons maintenant parler des changements majeurs du patch Fiora qui concernent Lux, Olaf, Ziggs et un petit peu la jungle et encore quelques changements mineurs que nous allons voir par la suite. Parlons maintenant de Lux qui a quelques changements. Dans un premier temps, Anomalie Radieuse qui donne maintenant la vision lorsqu'on lance le sort. Avant on n'avait la vision évidemment que sur le rond et maintenant ça sera aussi pendant le trajet le lancement du sort. Deuxième petit changement, le délai de récupération du sort démarre au lancement et non plus quand ce petit cercle explose. En contrepartie ils ont augmenté le CD de ce sort. Et enfin on a le dernier changement, affiche désormais un icône dans la barre des enchantements pour indiquer dans combien de temps Anomalie Radieuse explosera automatiquement. Voilà pour le premier sort de Lux. Et le deuxième changement, c'est tout simplement son ultimate qui maintenant donne la vision de la zone affectée par le sort et révèle pendant quelques instants les champions touchés. On peut aussi voir que le saut éclair ne peut plus être utilisé pendant cet ulti. Parlons maintenant de Olaf qui voit un petit boost au niveau de la déchireuse si je ne m'abuse, donc réduction de délai, donc qui passe à 8 secondes, plus de dégâts. Tout simplement, et c'est déjà pas mal pour sa déchirose. Ensuite, on peut voir que Ragnarok octroie désormais 30, 45, 60 points d'armure et de résistance magique au lieu d'une réduction de dégâts fixes. Et enfin, la vitesse de déplacement de base de notre Olaf est maintenant augmentée de 5 points, donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal pour Olaf. Et maintenant, notre commandant Ziggs qui voit ses mines explosives un petit peu boost puisque le coût en mana est réduit. Ensuite, à contrario, on voit que la durée du ralentissement est réduite de 2 secondes à 1,5 secondes. Donc beaucoup, ça peut se ressentir ça en game. Et enfin, les dégâts de la deuxième mine suivante sont réduits de 50 à 40% des dégâts normaux. Et enfin le dernier changement concerne la jungle où on voit donc les sauts des petits monstres qui vont rendre aussi bien de la mana que les PV. Et enfin au niveau du camp des petits golems, donc si je ne m'abuse ça doit être le rouge, on voit que la vitesse de déplacement a été augmentée de 180 à 300 et les dégâts de base du golem vont infliger 54 à 59. Donc je crois que c'est le rouge et le bleu, donc ça reste à confirmer, je ne sais pas. En tout cas c'est à peu près tout pour la jungle. C'était Clairstore pour vous présenter le nouveau patch Fiora. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. En tout cas, si vous voulez connaître un petit peu plus sur le patch note, n'hésitez pas à aller voir le lien que je mets en haut où vous retrouverez évidemment tous les changements mineurs qui seront effectués lors de ce patch. Et sinon, pour la vidéo qui est en train de tourner, c'est tout simplement énormément de matchs AA que j'ai commenté si vous ne me connaissez pas. Et n'hésitez pas à aller les voir. Et le dernier aussi qui a été fait avec Mademoiselle Lost. N'hésitez pas à aller voir ce que ça donne du duo avec Clairstore et Lost. Ciao !